Bonjour les addicts, aujourd'hui on se retrouve pour la case 5 et 6 et non 56 bien sûr, puisqu'il n'y a pas 56 jours dans le mois. Quoique si c'est 56 jours à ouvrir des calendriers, ça serait top. Donc je m'excuse de ne pas pouvoir avoir posté hier, mais j'étais prise par le temps et donc je vais vous faire le 5 et le 6 en même temps. Là, donc vous voyez, on fait un petit tour. Hop, les calendriers. Voilà. Donc voilà ce qu'il y a pour aujourd'hui. Donc on va commencer déjà par mon lait que j'ai fait qui est chaud. Donc je filme toujours à la main comme ça. Donc je l'ai mis dans le bon sens cette fois-ci pour que ça soit en longueur. Je vais le poser juste deux petites secondes. Le temps d'ouvrir. Donc les cases 5 et 6 de cacao pop. Bombe. Cacao bombe. Bombe. Pas pop, pourquoi j'ai dit pop. Et coller, si vous voyez, oups, peut-être prendre un petit peu. Ah, je me bats. Ah oui, c'est un petit peu fondu dedans. Regardez. Bon, en tout cas, voilà comment il se présente. On va voir ce que ça donne. Voilà. Comment ça fait? Ben, je suis arrivée à temps. Le temps que ça fonde. Voilà. Donc on va voir après comme ça. Oui, ma tounette. C'est pas pour toi, ma chérie. On est. Tu veux sentir? Voilà, tout net, vous les sentir. Donc, hein. Et il y a aussi petit bonbon Werther's original. Mais c'est ceux-là qui sont au caramel. Bon, ben ça va à la poubelle parce que c'est. Je sais plus où j'ai mis ma poubelle. Et le 6, donc, voilà. Voilà des petits bonbons. Oui, les bonbons. Une sucette. Super. Donc voilà pour la 5 et la 6 de cacao. Oui, tout net. Bon, tu veux que j'ouvre le tien? Mais t'en voudras pas. Bon, on va ouvrir exceptionnellement au début le calendrier de Pitounette. Bon, qu'elle ne voudra pas, mais bon. Hein? Elle est là, autant qu'elle en profite. Ben, viens, ma chérie. Alors, le 5. Alors, ce sont des gourmandises comme ça. Oui, ma chérie. C'est pour toi. Et le deuxième comme ça. Alors, on va regarder ce à quoi ça correspond. C'est tout belle aussi. Alors, les. Comme ça, c'est les premiers. Donc ça, c'est ah bah c'est des cœurs au saumon. Tu vas aimer, ma chérie. Enfin, ou quoi que, ou pas. Et ceux-là, bah, c'est des frites de strips de chicken. Chicken strips. Donc ça ne va pas être les saumons encore. Enfin, deux fois, deux jours de suite du saumon. Bah, allez, toutoune, je vais t'en donner des cœurs. Oui. 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 Oui, tiens. Tiens, ma chérie. On va voir la réaction en direct de mademoiselle. Oui. Alors, mademoiselle, votre avis? Miracle, mademoiselle mange. C'est bon? Oui, t'en as mangé qu'un. Oui, tu fais des câlins au téléphone. Oui, ma chérie. Alors, ton avis? C'est bon? C'est bon, Pitounette? Non, mais face cam. Est-ce que c'est bon, ma chérie? Ah, on y retourne. Oui, t'es belle. Bon, on va continuer alors. Si t'en as mangé,
Bon, bah apparemment, ceux-là, elle les aime. Bon, c'est les Belle et Beau Shop, le 5 et le 6. Ça va être un peu chiant de filmer comme ça. Bon, c'est pas grave, je vais voir comment je peux faire. Donc, le 5. Oui. Ok, comme ça. Toujours dans les petites pochettes en satin. Et c'est un masque de nuit. Enfin, masque pour mettre sur les yeux. De nuit, en satin, pareil. Et réglable, auto-réglable. Vous voyez, on peut le régler à la... À la taille 20 comme on veut, la taille de fin au visage, ça c'est cool parce qu'il y en a qui sont élastiques et on peut pas les régler et ça serre et c'est pas le but hein. Le but c'est de se délasser, relaxer, voilà, j'ai délaxé, c'est un mélange de délasser et relaxer, un mix des deux, voilà, nouveau mot du jour, et pas de justement de souffrir pendant son sommeil. Donc ça c'est un accessoire super, j'aime beaucoup. Alors, aïe, excuse-moi tout net. Après, donc, nous avons en case 6, donc il y en a deux, ouais, deux produits. Alors, qui est-il? Oups. Alors, il y a déjà un produit de la marque Cadalis, Sweet Banana. C'est un masque apaisant. Donc, format full size hein, de toute façon, puisque c'est que des full size dans ce calendrier, et c'est un format, ben, je ne sais pas, j'arrive pas à lire, à le voir où il est. Ça doit être un... Ah ben je... Ben si, c'est là, 30 ml. Ben, 30 ml, c'est marqué là. Moi, Cadalis, hein, c'est une très bonne marque, hein, avec des actifs de banane, donc pas mal du tout. Bon, ben, on va le poser là. Et c'est avec, d'ailleurs, comme ça. Et le deuxième produit, c'est de la marque Moira. Donc, c'est du make-up. Et c'est un gel liner. Indéniable gel liner. C'est la teinte 06. Oui, ma tounette, le focus ne veut pas. Bon, ben c'est la teinte 06 et c'est marqué Galaxy. Après, je sais pas. Oui, ma chérie. T'en veux d'autres? Ben, t'as pas tout mangé. T'abuses, la cocotte. Donc, il se présente comme ça, ben, comme un liner hein, normal. Et par contre, regardez, il est rétractable. Et nous avons le Assam Beauty Soin. Donc le 5. Tu veux sortir? Le 5. Rien de marqué dessus. C'est un beau paquet. Et c'est donc de la marque toujours de la marque Assam Beauty, forcément, puisque c'est un calendrier de leur marque. Donc c'est de la gamme Rétinol Intense. C'est une crème pour les mains. Beau format 75 ml. Hein, donc très beau format pour une crème main. Et le rétinol, ça va super pour les effets sur la peau, donc c'est cool. Et le 6, il n'y a rien de marqué non plus. Et donc c'est le du make-up, c'est du fond de teint, c'est le fond de teint, donc Magic Finish. Bon, il est operculé, hein. C'est il est en forme de, enfin, il est en forme, il est sa texture est moussante, enfin c'est une mousse de teint quoi. Et il s'adapte à toutes les carnations. Donc c'est vraiment très bien. Moi je l'adore ce fond de teint. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai repris les calendriers. Parce que je sais qu'il est dedans à chaque fois. Enfin à chaque fois. J'ai pris que l'année dernière. Donc trop contente de le retrouver. Et d'en avoir dans mon backup. Puisque là j'arrive sur la fin de mon pot. Donc super. Voilà, donc on va passer au Gloria, j'essaie de faire comme ça avec la perche, au Gloria, donc le 5, il est marqué satine, c'est pur Eden et c'est une valeur de 8 euros, donc une main en allongée des mains, donc
c'est mon purée d'Aisne, on est d'accord. C'est un soin main réparateur, haute nutrition, peau sèche ou agressée. C'est un format, un beau format aussi, 50 ml. Voilà. Donc là pour la case 5 et la case 6, donc Repulp. Donc c'est 22 € et c'est de la marque Avant Skincare. Bon, la marque Avant, c'est une marque qui est toute une blinde, donc 22 €. Ça change, d'habitude on est habitué dans les 80 et quelques euros, donc c'est bon. Alors c'est un produit que je n'ai jamais eu, que je ne savais pas qui faisait. Donc c'est un masque tissu. Masque tissu, donc Centifolia Rose Radiance Capturing Mask, Age Radiance. Donc c'est un masque marqué capteur d'éclat à la rose Centella, 22 ml. Donc c'est un beau format, donc comme les masques en tissu habituel, hein, on le met sur le visage, après on l'enlève, et puis ah, c'est qu'il y a une couche protectrice apparemment, puisqu'il y a du noir et après du blanc et après encore du noir. Bon, on verra comment il se met. Donc il y a de la rose, de l'acide hyaluronique, cica, excusez-moi, j'ai mal à la gorge, j'ai un chat dans la gorge, ça n'est pas tout net. Voilà, donc sympa, contente de trouver un masque et de cette gamme, de cette marque, à moi un produit qui change. Donc Assam Beauty Magic Finish. Donc la 5, c'est en longueur, bon, ça doit pas être, ça peut être un crayon, est-ce que c'est un crayon, lèvres ou yeux, je sais pas, ah non même pas, c'est un accessoire, mais un accessoire utile. Alors je sais pas si vous avez regardé les unboxings, enfin les spoils des calendriers, mais leurs accessoires sont souvent des accessoires assez utiles et de quali. Hein. Donc là c'est une lime à ongles, oups, sauteuse. Dans un petit sachet en feutrine. Ah, le sachet. Et là, la lime à ongles. Donc, voilà comment ça se présente. Bon, sympa. Et la 6. Pas d'indication. Si, il y a marqué quelque chose. Il y a marqué... Magical and Sparkly Times Ahead. Oui, donc, je sais ce que c'est. La même case 6 que l'autre case, que l'autre calendrier. Hein? Magic Finish, Makeup Fond de Teint, Mousse, nickel. Je sais de toute façon qu'il est dans les deux. Même case, bon, c'est un peu dommage pour ceux qui prennent les deux calendriers. Mais en tout cas, trop contente. Ça m'a fait deux backups. Génial. Donc là, franchement, très jolie case pour aujourd'hui pour moi sur ce calendrier. Le calendrier Action Beauté. Donc je n'ai pas sorti. Je le laisse là parce que je zappe à chaque fois. Donc il y a pour la 5, c'est ça. Donc une petite œuf make-up. Et pour la 6. Alors, je ne sais plus si c'est celui-là ou l'autre, mais bon. Il y avait des trucs pour mettre des autocollants pour mettre sur les ongles. Voilà. Donc voilà ce qu'il y a pour ces deux cases. Bon, je vais le mettre là pour que ça soit visible. Voilà. Après, donc, nous allons passer à My Win Box. Donc toujours très beau calendrier. Donc la 5. Voilà comment elle se présente. Donc je les ai enlevées, elles étaient derrière. Bon, ben tant pis, est parti. Avec un joli flocon de neige. Et c'est donc un baume à lèvres jour pomme cannelle. Donc de la marque Trou. J'en ai déjà eu dans le calendrier Belle et Beau Shop l'année dernière. Voilà. Là,
6. Donc il y a dedans un petit mars. Voilà. Et nous avons un petit mot. Alors dans ce calendrier, vu que les cases certaines sont petites, il y a dans une poche à part alors je vais poser ça parce que j'ai besoin de la deuxième main. Il y a une poche avec les cadeaux, les surprises qui peuvent pas loger, les surprises qui peuvent pas loger dans les cases. Attendez, j'étais chercher le locuteur. Vous êtes belle, souriez, piochez votre produit correspondant à ce jour dans la pochette. C'est ce que je disais. Et donc, le produit pioché, c'est celui-ci. Donc, pas de secret, hein. C'est un produit en tube. Crème hydratante de la marque Elegie, que je ne connais pas du tout. Et c'est laminaire aloe vera. Format 30, 50, 50 ml. Que Blissim 5. S'ouvre par le haut. Donc, merci Andy. C'est un gel pour les nettoyants pour les mains. Et c'est Dolce Vita. 30 ml. Voilà. Dans un calendrier de l'avant, j'aurais préféré un petit soin. Comme l'année dernière, ils avaient mis un spray, c'était pas mal. Mais bon, là. 6. Grosse case, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Parfait. C'est pas rempli, rempli. Donc, c'est de la marque Glime, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Glime. Donc, c'est All Eyes. Donc, c'est un contour des yeux défatigant. Vegan, 98% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est à l'acide hyaluronique et à l'eau florale de bleuet. 15 ml, donc c'est pas mal. Glime, j'ai une crème illuminatrice que j'utilise et que j'aime beaucoup, donc pourquoi pas. Alors après, nous passons à Florence. Donc dans la case 5, il y avait le crayon pour les lèvres de la couleur, donc 01, à référence 01 rouge. Je ne l'ai pas ouvert hein, parce que sûrement que ça partira. Et dans la case numéro 6, il y a un sérum hydratant à l'eau florale de rose. Donc là, il y a marqué, pareil, hein, alors c'est pour tout type de peau, ce qui est pas mal, 15 ml. Et c'est bio, Florence en même temps. Florence Nature, c'est une marque bio. My Little Box, donc le 5 ici, My Little Fabric, toujours très joli dessin. Voilà, et donc nous avons le crayon, je voudrais pas le perdre. Nous avons une magnifique huile prodigieuse dorée, donc de Nuxe, en format 10 ml. Sympa de retrouver pour les fêtes. On peut en servir aussi pour l'été. C'est super. Et le 6 qui est très long. My Little Fabric. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? Oups. Dernière, cette case. Je crois que c'est Terre de Mars, c'est ça. Ouais. Terre de Mars. 0,19, donc là c'est le shampoing revitalisant reddition, donc format 150 ml, donc c'est dans la case du calendrier hier, je sais plus lequel, on avait un gel douche solide, un savon solide, donc de Terre de Mars Reddition. Et donc là aujourd'hui on a le aujourd'hui donc c'était avant-hier, on a le shampoing de la même gamme. Voilà, bon, moi j'aime bien, mais bon après voilà, c'est Terre de Mars quoi. Alors après, nous avons de la main de Bleu Libellule, donc le 5, nous avons eu un très beau pinceau
paupières, donc très bien emballé, donc dans une pochette en plastique de la marque, bah, comme je vous avais dit, Aestro, Esteo. Donc voilà, le pinceau noir, toujours un professionnel, hein. Et l'embout, il est comme ça. Donc là, c'est qu'il y a le flash, la lumière, hein, mais il est gris noir, enfin, gris foncé. Voilà. Donc là pour le pinceau, et dans la case numéro 6, une marque que je connaissais pas, qui est sauteuse aussi. Donc c'est Deva Curl, et donc c'est Curl Band. C'est un masque soin remodelant pour cheveux, bien sûr, puisque c'est des produits capillaires en majorité. Et c'est 44 ml, donc il répare et restaure. Donc contente de pouvoir essayer cette marque, hein, que je ne connais pas du tout. Donc ça va changer des marques que j'utilise habituellement. Donc contente. Alors après, nous avons Look Fantastic. Là, il y a des cases en moins puisque c'est les cases du jour, enfin du jour. Donc la 5, donc une grosse case. C'est vraiment, bah, c'est la plus grosse case avec la 25. Hein. Et voici ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, on va pas dire que je suis pas contente du cadeau, enfin, du truc, mais bon, voilà quoi. Une grosse case pour un petit truc. Et en plus, ça, les masques pour les yeux comme ça, c'est des masques yeux chauffants. Alors, je ne connais pas celui-là. Hein. Moi, j'en ai essayé un d'Action. Franchement, je suis, c'est trop bizarre. Et en plus de ça, même quand je l'ai enlevé, il chauffait encore, encore pendant un moment. Donc j'ai dû attendre avant de le jeter. Je ne voulais pas le mettre à la poubelle comme ça. Donc je l'ai mis dans un endroit où ça risquait rien, dans le lavabo, comme ça au moins ça risquait rien. En attendant qu'il soit, il chauffe plus. Donc là, c'est de la marque Beauty Pro. Voilà, donc qu'est-ce que c'est ces effets? Donc c'est masque pour les yeux auto-chauffant, relaxant à la camomille. Bon, après, c'est vrai que ça relaxe, hein. Ça fait, mais faut voir comment que ça chauffe au niveau des yeux. Après, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont sûrement moins bien. Et la 6, donc la 6, c'est ah. Vous allez être contente. Moi, ça me gêne pas, je l'adore. Donc, c'est de la marque We Are Paradox. Donc, c'est le Repair 3 en 1, conditionneur, air mask et finishing crème. Donc, il fait après shampoing, un masque cheveux et crème de coiffage. C'est un format 50 ml. Donc, je disais ça parce qu'on l'a déjà eu cette année. On a dû l'avoir 3 fois, peut-être même 4 fois dans des box. Donc, voilà. Je pense qu'il y en a certains, ils sont un petit peu, surtout qu'ils n'aiment pas forcément ce produit. Bon, puisque ça sent les plantes, alors il y en a qui n'aiment pas trop quand ça sent les plantes. Moi pour les cheveux, j'ai rien contre. Donc voilà. Et puis moi, il fait bien le job avec mes cheveux. Donc je ne m'en plains pas. Bon, c'est en backup, donc peut-être qu'il y en a un qui partira quand même en concours. Hein. Peut-être vous en faire profiter si vous voulez le tester. Donc là, après, je l'ai mis à l'envers, c'est Savonnerie de Bormes. Donc le 5, c'est dans un format pochette comme ça, et c'est donc une bougie dans une verrine en verre. Et regardez moi ça comme elle est magnifique. Donc ça fait un petit peu dessert, un petit fromage blanc avec une petite gelée dessus, un petit peu de cannelle et d'orange, voilà, et puis des paillettes. Elle sent super bon. Voilà pour cette case 5. Et la case 6. Voilà. C'est un savon au lait de chèvre bio. Non, au lait de. Je ne sais plus, c'est chèvre. Si, c'est chèvre, je crois. Et c'est parfum myrtille, je crois. Ouais. Lait de chèvre bio et parfum myrtille 100 grammes. Voilà. Nickel. Moi j'adore ce genre de savon. Donc c'est super. Après, Stylvana. Je vous les ai mis comme ça, sinon vous voyez. Donc 5, c'est une des plus grosses cases avec la 24.
Et donc, c'est un... Donc, c'est de la marque Tiam, je suppose. Donc, c'est Melt and Rénov. Ce sont des... Alors, je sais pas si vous le voyez là-dessus. Ouais. C'est des petits patchs que l'on met sur le nez pour enlever les points noirs. Et on a les petits grattoirs qui vont avec. Ouais, je vais vous faire voir si... Donc là, les petits... grattoir. Donc là, il y a côté grattoir et côté coton-tige. Et là, donc nous avons le pot. Bon, c'est de la K-Beauty, hein, donc c'est. J'ai hâte de le tester parce que quand j'ai vu ça, attendez, je vais le mettre comme ça. Oui, je suis revenue en longueur. Il y aura un peu de tout dans la vidéo. Je suis désolée. On va le mettre là comme ça et. Donc voilà, donc la petite pince hein, qui va bien, donc ça c'est protégé déjà une fois. Bon, il y avait un petit blister, hein, je l'avais enlevé pour regarder ce que c'était quand j'ai fait le unboxing. Et voilà, donc ça se présente comme ça, donc vous l'enlevez et vous le mettez. Donc je vais tester ça, je ferai un retour, ça je vous verrai. Mais je suis pas contente parce qu'il y a tellement de produits. Puis là je suis sur une routine, pareil, une routine de Stylevana. Que Stylevana m'a gentiment envoyé pour tester. Donc voilà. Et la 6. Donc la 6, c'est une. C'est de la marque Peslo. Et c'est donc déjà un format 30 ml. Déjà, vous avez une réponse. C'est une crème, je crois. Bon, ce qui est chiant, c'est que voilà. Ah, c'est une ampoule essentielle, ingrédient, fonction essentielle. Il est marqué hand et ampoule. Donc, ça doit être une crème main. Je pense que c'est une crème main. Elastox and Ampoule, donc c'est une crème à main mais en style sérum, hein. Regardez, donc voilà. Donc on reprend Glossy Box 5 et 6. Donc là c'est celui-là, donc 5. Alors c'est de la marque Cosrx. Hop, c'est mieux que si vous voyez ça. Et c'est du toner, un tonique. Et traitement, donc BHA, AHA, excusez-moi. Petit format, hein, 30 ml. C'est dommage, parce que quand on sait que les full size, c'est des gros formats, ils pourraient faire un peu plus. Surtout qu'en plus de ça, il n'est pas rempli à fond. Donc, un peu déçu pour celui-là. Surtout que Cosrx, c'est de la K-Beauty, hein, c'est quand même une super marque, hein, donc dommage. Et la 6, hein, donc nous avons un masque, non, une crème coiffante 100 ml styling cream de Mariam Mila. Donc je sais pas, je vous en ai parlé, je sais pas pour quel calendrier. De cette marque, j'avais eu des shampoings spray à sec et j'avais pas testé, hein, parce que c'était pas moi, je n'utilise pas ça pour mes cheveux. Et là, c'est le deuxième produit qu'on a, mais de cette gamme là, apparemment, hein, c'est les deux sont de la même couleur, mais autre que du sec, donc ou du spray pour les cheveux, donc c'est nickel. Contente de pouvoir tester ces deux produits, même si celui-là est vraiment très petit. Après, nous avons donc on va aller sur le goodie box. Je vous le remets en comme ça sur le support, comme ça vous pourrez voir un peu mieux. Là, je vais fermer. Voilà, bon, on va voir un peu mieux. On verra. Donc, le 5, hein, il est là. 5, hop, là. Et donc c'est tout en longueur.
Et c'est un produit, et ben voilà, j'ai parlé trop vite, c'était aujourd'hui. C'est un dry shampoo, donc un shampoing, c'est prêt. Je savais qu'il y en avait dans un calendrier, mais je ne savais pas que c'était aujourd'hui. De la marque E-Cooking, une très belle marque clean, hein. De toute façon, 250 ml, hein. C'est un beau format, mais que je n'utiliserai pas, dommage, puisque je, comme je vous disais, je n'utilise pas ce genre de produit, parce que moi j'ai besoin d'avoir... de mouiller mes cheveux pour les laver. Enfin, ouais. Même entre deux shampoings, je ne peux pas utiliser ce genre de produit. Et la sixième, on s'en encore le zoom un peu. La sixième, voilà. Ça a l'air d'être bien lourd et bien rempli. Donc, que se cache-t-il derrière cette sixième case? Ah, super, trop contente. C'est vrai, je me souviens. Donc c'est pareil, un full size. La rosée, donc un masque en stick régénérant 3 en 1. Argile blanche, 75 ml. Donc trop contente parce que ce produit est passé dans une box et je ne l'avais pas eu puisque c'était en fonction, je crois que c'était le vert qui était passé, je ne sais plus. Ou celui-là qui était passé et je ne l'avais pas eu. J'ai voulu le prendre sur le Vinted de Alora Bora. Mais il était déjà pris quand il était dessus. J'ai pas eu le temps de le prendre. Donc, ce qui est bien dommage. J'ai bien... Et là, bah, contente de le trouver. Comme ça, au moins, je pourrais enfin le tester. Donc là, nous sommes sur le... Ça fait bazar comme ça. Sur le Beautiful Box. Le numéro 5, il est ici. Alors, c'est... Qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc l'ingrédient phare, c'est le camélia. C'est une valeur de 7 euros. Et la marque, c'est... Lueur du Sud. Voilà. Donc ça... Ah oui. Ça a un peu tout dans tous les sens. Mais c'est pour... Oui. C'est pour pouvoir loger dedans. Ils ont... Ils ont donc bien plié la boîte. Donc c'est un shampoing solide 2 en 1. Fabrication française biologique. Et c'est un format de 40 grammes. Il se présente comme ça. Il sent très bon. Il n'y a pas marqué pour cheveux, quel type de cheveux. Bon. Je leur mets tant bien que mal dans la boîte. Peut-être marqué ici. Mode d'emploi, fauteuil. Ouais, c'est comme un shampoing solide, hein, comme tous les shampoings solides. Non, il n'y a pas marqué pour quel type de cheveux. Et là-dessus. Et là-dessus. Donc, EcoCert, Cosmos Organique. Mode d'emploi. C'est pareil. D'origine naturelle, hein, agriculture. Bon, quand c'est pas marqué, je suppose que c'est pour tout type de cheveux, c'est pas pour une, des cheveux en particulier. Et le numéro 6, donc là, c'est un l'ingrédient phare, donc c'est le Bucerol. 17,90 €. Et c'est la marque. Bon, on va voir ce que c'est. Et masque gel éclat extrait de thé vert et de Bucerol, donc 50 ml made in France, plus de 98% d'ingrédients d'origine naturelle et c'est vegan. Voilà. Donc là, c'est bon de ce côté. J'ai tout fait. Alors, normalement, je vais regarder. Donc là, j'ai fait. Mais j'ai tout fait. Donc, je vais... même le suivi de tout net. Donc, je vais tout déblayer. Voilà, j'ai tout installé. Donc, ça fait beaucoup, puisqu'il y a 2 jours quand même. Donc, c'est quand même assez... ouais, ça fait beaucoup.
Donc j'ai tout mis. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 5 accessoires. Bon, ça va. Pas trop non plus. Et nous avons beaucoup de crème de main aujourd'hui, je trouve. Donc on en a une ici, une là, et deux. On en a trois là. C'est les trois crèmes de main que l'on a eues. On a des. Bon, on a un peu de tout quand même, hein. On a deux masques visage. Donc un masque visage normal, un masque juste pour les yeux. On a ça pour les yeux aussi, mais bon, c'est pour la nuit. En produit solide, on a ce savon solide, ce shampoing solide. On a deux fois le. Mais ça, c'est trop top. En make-up, donc on a ces fonds de teint, on a le crayon, on a le gel liner. Et c'est tout aujourd'hui côté make-up, donc pour les fans de make-up, hein, désolé. En doublon, donc on a ça, qu'on a eu et re-eu et re-eu. Donc je vais vous le mettre en concours puisque je l'ai déjà plusieurs fois. Puis ce serait pas mal si vous voulez le tester et tout. Bon, ça apparemment, ça sera un doublon pour certaines, mais moi je ne l'ai jamais eu, donc contente de l'avoir. Alors ça va partir sur Vinted où je vais le donner à une copine parce que franchement, c'est pas. J'utilise pas. Donc là, il y a déjà trois trucs. Bon, celui-là, je l'utilise, hein, mais c'est juste pour vous que je vais le mettre en concours. Ouais, comment que je parle français? C'est pour vous que je vais le mettre en concours. Ça fait peur. Moi c'est une bonne case pour moi. Hein. Franchement, j'aime presque tout. Hein. Donc, regardez-moi cette bougie, comment elle est trop belle. Alors, je vais vous l'ouvrir quand même. Ça, vous allez la voir de plus près. Regardez. Ah, si vous pouviez avoir l'odeur avec. Une tuerie. Ça donne pas, enfin, ça donne envie de le sentir se combuster. Mais j'ai pas. Enfin, après, ça va plus être déco. Enfin bon, on verra. Et puis j'ai eu des petits bonbons aussi. Regardez, apporte tes bonbons. Donc c'est pas mal. Donc voilà, plus ma boule de chocolat là qui est dans le verre, enfin qui est bu maintenant. Donc voilà. Donc je sais pas ce que vous pensez vous de cette case. Quel est votre produit préféré? Moi je pense que ça sera ça à tester pas mal. Je connais pas du tout. Ça aussi, ça m'intrigue beaucoup pour le nez. Puis enfin le produit la rosée bien sûr. Mais mon produit coup de cœur, hein, ça restera le seul, l'unique et pour toujours, le fond de teint Magic Finish. Bon, après, il peut être détrôné par autre chose. Hein. Voilà, donc bah sur ce, je vous fais des gros bisous. Bon, la vidéo va être longue puisqu'il y a 2 jours. Je suis encore désolée pour hier, mais bon, il va y avoir des jours comme ça où je ne pourrai pas filmer forcément, à moins de filmer la veille pour le lendemain, ce que j'essaierai de faire de temps en temps. Mais c'est vrai que des fois, c'est compliqué. Donc, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas, sur le Vlogmas de dimanche, il y a donc le concours qui est actif jusqu'à samedi soir. Et puis, ben, il y aura d'autres concours. Comme je vous ai dit, dimanche, il y en a un autre. Et puis, peut-être des surprises qui vont arriver de temps en temps. À demain. Enfin, à demain, oui. Et puis, je vais essayer de faire aussi les montages des V-Box de novembre que j'ai pas fini de monter. Et des derniers calendriers, même si je vous les présente jour par jour. Si vous voulez le voir en totalité, vous spoiler, il n'y a pas de raison. Enfin, vous pourrez le faire. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des gros bisous. À très vite, les addicts. Bisous, bisous.